Miss Nemo, on se retrouve dans l'épisode 8 des sorcières de Primor, quelque chose du genre. Dans l'épisode précédent, hein, on avait vu des choses pas très cool. Et j'ai pas du tout envie de continuer. Non, fais pas ça. C'est un crâne, ça. Attendez. J'ai terminé le portrait. Oh. Parfait. La phase finale a commencé. Alors elle est déjà dans le grand vide. Hi. Oui, nous y sommes presque. Notre labeur va enfin porter ses fruits. Mais qu'est-il arrivé à Mélina? Est-elle... Ne t'inquiète pas, ils en ont payé le prix. Oh, c'est le Delilah, je crois. Ok, donc elles sont relativement beaucoup. J'ai vu un truc vert là, c'était un... Oh! J'avais pas vu ça la dernière fois. Ah oui, d'accord, ok. J'aimerais bien voir là-bas ce qui s'y passe. Mais je vais me faire voir. Il y a quoi dedans là? Certainement un endroit où je pouvais me cacher. Je parle pas beaucoup, mais je dois vous avouer que je suis un petit peu stressée. Je suis pas déjà passée par là. Oh, punaise, oh, punaise. Ah, j'y passe la porte. Ça devait être un autre passage ici. Ouais, ça devait être un autre passage. Mais du coup, il n'y a rien de foncièrement intéressant du coup. Je sais, on vient de commencer, mais il faut que j'essaye. Ok, j'ai eu très peur qu'elle tombe. C'est pour ça que je l'ai rattrapée. Est-ce que je peux tomber là? On va pas vraiment tester. Si je le savais, l'une de mes chères sœurs s'est éloignée de son poste. Oh, mais genre... Me dites pas qu'ils s'en rendent compte quand j'en tue, non? Ah non, parce que là, c'est pas juste. ça va être trop dur. Réflexion de Zéla. J'ai travaillé tard dans mon atelier la nuit dernière pour terminer mon tableau des minis. Quand Dou l'a capturé, j'ai d'abord craint qu'il ne... découvre mes plans. Je l'ai manifestement surestimé. Il l'a rapidement livré au conspirateur. Quel imbécile. Quand elle montera sur le trône, j'observerai déjà le monde à travers ses beaux yeux bruns. En fait, j'ai essayé de me rappeler tout simplement le tableau qu'on lui avait pris. C'était dans la maison du tonton, je crois. On avait pris le tableau, on l'avait donné à quelqu'un. Mais je me souviens plus si c'était une quête secondaire ou une quête principale. J'ai vu un truc qui brille là. Là. Même si je pense qu'on se rapprocherait même pas mal de la fin du jeu. Oh, il y a rien là-bas. Non. Non, non, non. Non. Je veux les tuer, mais je sais pas en fait si je peux les tuer
comment on dit, hein, séparément en gros, sans attends, c'est quoi? Carreau d'arbalète. Oui, c'est ça, c'est le 2. Ok, ça je crois que c'est bon. Ah, allez, tu veux pas essayer de pas bouger? Oh mon dieu! J'ai gâché beaucoup trop de carreaux. Mais bon. Au moins, elles m'ont battu en plus. J'ai même pas envie d'aller les fouiller en fait. Ça me... Mais c'est quoi ce manoir? Mais il est horrible. Y a rien. Je veux dire, cette pièce-là, elle servait à quoi? Elle servait à rien. J'étais même pas obligée de venir là. Oh. C'est Attendez, parce que c'est quoi ma mission là exactement? Trouver l'atelier des Hila. Examiner la casquette pour savoir si Major Jordan s'est véritablement enfui. Depuis quand j'ai ça comme quête? C'est où ça? Parce que j'ai pas d'objectif de quête là. Non? Ils sont activés ou pas? Oui, ils sont activés. Bon, enfin peut-être que vous le voyez vous la petite flèche, mais je vois pas de petite flèche d'objectif. J'ai vu quelqu'un là tout à l'heure. Nous regarder Dame Billy Lapin ce soir. Ah, oh, il ne faut pas y compter. C'est en bas qu'il y a les saletés de machin. Et comment je fais moi pour aller de l'autre côté? C'était là-bas, hein, je crois. Ok. Oh, j'ai pas été repérée, donc je vais essayer de... Ok. Non, j'ai cru que c'était un crâne, j'ai eu très peur. Clé du coffre? Oh! Il est où le coffre? Ordre de Delilah, j'ai ordonné que la lanterne soit placée dans mon atelier dans l'aile ouest. Utilisez-la pour entrer dans le tableau, mais uniquement si la situation est critique. Je ne veux pas être dérangée pendant que je prépare le rituel. Je compte sur vous pour vous occuper de Dode si jamais il apparaît. Une lanterne. Il a tendance quand même un peu à décapiter les gens, hein, mon guerrier là. Elle est où la rune? Ah non, c'est un charme d'eau. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des saucissons? C'est au-dessus. Je vais essayer de le prendre. Ok, donc déjà la suite, ça doit être par là. Cidre de cristal. D'accord. Non, c'était bien ça. Non, j'étais dessus. Voilà. Donc j'imagine que c'est ce coffre-là. Ok. Je suis pas très rassurée. Bah ok, d'accord, elles se mettent bien, dis donc. Le fléau des pavés. Ok, pourquoi pas. Enfin, elles se mettent bien, elles sont un peu quand même dans la misère du monde, mais bon.
Oh, mais dis donc. Ah, mais c'est la salle des coffres là, dit. J'ai trouvé plein de choses. Rituel de possession, le tableau de l'objet de la. Le tableau de l'objet de la possession doit être placé au-dessus de l'autel. Une fois le rituel prêt, l'exécutant doit s'allonger sur l'autel. Si les préparatifs ont été effectués correctement, son âme passera alors dans le corps du sujet. Attention, le sujet dépeint. Je sais pas, je comprends pas. Le sujet dépeint par le tableau doit être la cible de la possession. Tout autre tableau peut piéger l'exécutant du rituel. Ah, donc il faut qu'on change le tableau en fait. Je crois que c'est ça ce que ça veut dire en gros. Mais alors j'ai envie de retomber là, ici. Mais je pense qu'on est obligé d'y aller et de descendre par là. Mais on va sauvegarder d'abord. Je me doute qu'on arrive vers la fin. J'imagine que le grand boss final, hein, enfin c'est Delilah tout simplement. Mais je ramasse des trucs, mais je sais pas si ça va vraiment m'être utile en fait. Une deuxième solution. Ah oui, non, d'accord, okay, c'est quand même un livre. C'est. Oh là là, mais j'aime tellement pas cette ambiance. Ah bah non, on tombait là en fait. Ah, ça a sauvegardé tout seul, j'aime pas trop. Ah, ça veut dire que c'est pas cool ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Là, il y a un piège. Là, je sais pas ce que c'est. Mais non, on dirait qu'il y a personne. Oh, puis avec les reflets de l'eau et tout. Ah, j'ai pas envie d'aller dans l'eau. Regardez. On a l'impression, non, c'est pas très profond, mais. Oh! Mais la maison avait l'air cool quand. Oh! C'était quoi? Non, parce que là, j'ai quand même très très eu peur, là. Est-ce que c'est quand je m'approche de l'eau? Mais je suis pas bien là. Je vous avouerai que je suis pas bien du tout là. Ok, là il y a un piège, d'accord. Mais je sais même pas où je dois aller. Je sais pas, c'est. Mais c'est elle qui se téléporte. Mais. M'a fait flipper. On dirait que Roswald a disparu sans le savoir. C'est le chaos à la. Oulala, 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 oulala. Remonte, 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 remonte. C'est où là? C'est où? C'est là. Oh. Elles font des bruits bien trop atroces, quoi. J'arrive pas à viser, elles sont trop galères. En plus, elles étaient beaucoup là. Oh, elle peut pas me toucher d'ici. Oh, oh punaise, de là, oui. Est-ce que je suis en train de regarder qu'est-ce que j'ai, mais. Est-ce que j'ai des grenades? Oui, j'ai des grenades. Mais j'imagine que là, ça va pas passer. Non, à travers ça, ça passera pas. Oula, j'entends des rats, ils sont où? Non. Elles sont parties? Punaise!
Tiens, j'arrive pas à les viser. Bon, bah maintenant qu'elles sont là, hein. Mais genre, elle m'esquive trop là, c'est quoi ça? Ah, tout de même. Oh. Attends, vas-y, je te laisse faire ça. Ouh là 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 là. Viens là, toi. Ok, j'avais pas tilté qu'elle pouvait effectivement faire le tour. Que c'était des PNJ, mais des PNJ pas trop cons. Clé de l'ouest, clé de l'est, non mais d'accord, mais... Oh, mon dieu, mais elles m'ont fait tellement peur. Oh non, mais dis pas qu'il y en a encore. Mais c'est qui ça? C'est des lilas? Non. Mais pourquoi il y en a toujours une qui est en train de se TP là? Oh, par contre, j'ai claqué tellement de soins. Faudrait des tubes de vie là, parce que dis donc. Mais c'était quoi ça? C'était juste une salle piège en fait? Bon. Ben c'était pas des lilas. Tu es juste... Oui non, je peux rien faire avec. Oh, nom. Mange tout. Ah oh, mais il y avait que ça. Non, il y avait ça aussi. D'accord. Bon. Oh, puis j'aime pas, on patouche dans la gadoue là, c'est dégueu. Mais mais non, ok. Ici je reviens là. D'accord, mais c'est génial. Mais je fais quoi moi? Il n'est jamais passé par là du coup. Si? Je vais sauvegarder. Oh, mon dieu. Mais j'y vais où là? Oh. Je sais absolument pas où est ma quête. Je tourne dans le manoir, mais j'ai pas les points. Vous voyez ou pas? J'ai pas les points. D'accord, ok, je tourne en rond, mais sinon. Comment chache-pache? Je vais où? Je vais essayer de pas me prendre le piège. Est-ce que je l'active ou est-ce que je saute? Est-ce que je me TP tout simplement? Parce que je vois pas ce que ça déclenche comme piège en fait. Il doit être en face le truc. Ah, du coup, je fais bien gaffe parce que ça sent le couloir pourri un peu, non? Ah, ça se trouve, ça faisait exploser ça. Voilà. Ouais, ça tirait là-dedans, certainement. Comme je suis pas très douée, voilà. Sous-estime les immenses pouvoirs de Dame Delilah.
Ça doit être le tableau. Elle n'est pas seule, pas totalement. Les statues, bien sûr. Ce sont plus que des statues. Il est trop mignon, petit symbole. Et leur puissance est décuplée dans le grand vide. N'aie crainte, ma douce Tilda. Tu dois être forte jusqu'au bout pour Dame Delilah. Ça n'est pas le moment de faner comme une pâquerette. D'accord. Pardonne-moi, ma sœur. Tu as raison. Il y a des choses, là. Alors, ok. Je pense que ça, du coup, c'est la te... Oh, punaise. Je pense que c'est l'atelier, mais alors après... Oh, punaise, je l'avais pas vue. Mais elle est venue d'où? Oh. Mais genre, comment elle a pu monter aussi Attendez, je vais juste me cacher là quelques instants. Entendre des bruits plus qu'effrayants. Oh, je vais essayer de balancer une grenade du coup. Oh, en plein dans sa tronche. Et c'est bon maintenant? Je peux descendre ou pas? Oula. Ça rame un peu ici, j'ai l'impression. Ça doit charger pas mal de choses. Ah, mais c'est des rues. Je crois que c'était des traces d'en haut. Oh. C'est pas mal, hein. C'est joli. C'est coquet. Ah ouais, non, c'est... J'ai des ralentissements, dis-donc. Non. Mais en fait, elles étaient toutes vieilles. C'est juste qu'elles sont toutes moches. Je sais pas, elles ont l'air jeunes, mais elles ont les cheveux gris. D'accord, bon, déjà on va prendre tout ça. Alors, Brunhilde est venue me voir la nuit dernière dans mon atelier de l'aile ouest alors que je terminais mon tableau de la jeune Émilie. Elle m'a appris qu'une de nos filles s'était laissée capturer et interroger au bagne du Colbridge. Néanmoins, Dawn ne semble pas connaître mes plans. Dans la prison, on a rencontré des sorcières. Je me souviens plus. Ah bah ok, d'accord, maintenant j'ai le point. Hein, le point qui au début ne voulait pas s'afficher. C'est génial. Je regarde le temps et je vois ça fait que 23 minutes. J'ai envie d'arrêter. Normalement j'ai désamorcé, mais dans le doute quand même. J'ai pas envie de regarder en fait ce qu'il y a dans mon inventaire. Parce que je sais que ça se trouve, il n'y a pas grand chose. Il faut que je fasse super gaffe du coup. C'est moi qui faisais ce bruit là ou. J'ai entendu quelqu'un marcher dans l'eau, alors je sais pas si c'est moi qui traîne les patounes ou si c'est vraiment. Dedans. Non, c'est moi je crois. Oh, mais il me fait de ses frayeurs. Hein? Mais je suis où là? Mais j'étais venue là? Attendez, j'ai une mémoire de poisson rouge ou c'est par où là? D'accord, je pensais pas du tout en fait venir ici, mais d'accord, pourquoi pas. Oh non, me dis pas que c'est en bas. En bas, il y a les chiens. En plus, je suis sûre, il y a plein de trucs. Mais il y a les chiens, alors non. Oh, j'imagine en fait le gros piège, c'est ça, c'est tu tombes là. Du coup, t'es obligé d'aller là-bas. L'aile ouest, mais j'étais déjà allée là-bas. Non? Il semble que je suis venue me cacher là au tout début. Mais c'était ouvert ça?
Oh, j'aime pas. Il y a des bruits horribles. Déjà, il y a des pièges. Mais... Ah, il est pas là, là. Il est derrière. Ouais, ouais, il est derrière, d'accord. Et sinon, là... Clé de la bibliothèque, merde. J'ai pas la clé de la bibliothèque. Ok, alors le problème c'est que... Eh bah, tu ne veux pas me passer ça. Oh, mais il est où le machin? Il est pas en haut. Non. Ouais, il est dans l'autre pièce, il est dans la bibliothèque, je pense. Respirons calmement. Oh, j'aime pas ça. Je crois que c'est le bruit quand ils se relèvent, les chiens. Ah, c'est ça, ouais. Il peut pas me voir d'ici. Hein. Non, il peut pas me voir. Hein. Je suis cachée. Je sais qu'il faut qu'on avance. Je sais, hein, mais... Mais faut arrêter de faire ça! Mais hop. Ok, bon déjà. D'accord, je suis cachée. Déjà. Ça veut dire qu'ils m'ont repéré là? Non. Non, il crie juste parce qu'il veut des croquettes. Je suis sûre que c'est ça. Pourquoi c'est tant piégé ici? Hein? Pourquoi ça sent la mort ici? Ah, de toute façon, on pouvait aller de l'autre côté. Mais je vais d'abord aller désarmer le truc là-bas. Est-ce que je peux être là-dessus? Ok. C'est vrai que j'ai des fléchettes explosives et que je peux potentiellement les faire exploser. Mais... Voilà. Ok, non, c'est bon, c'est lui. Mais ça me met tellement la pression. Ah, je pourrais peut-être pas passer par là en fait. Ok, donc. Oh, c'est elle? C'était son portrait? Ok, alors j'ai trouvé la lanterne, mais je sais plus. C'était pourquoi la lanterne? Je sais qu'on l'a lu il y a quelques minutes, mais je m'en souviens plus. Alors, journal de Delilah. Maintenant que le tableau est terminé, je vais enfin pouvoir posséder la jeune Émilie et porter son visage comme un masque. En la plaçant sur le trône, c'est moi, Kavlok et ses sous-fifres couronneront. Moi, Delilah, la petite servante de cuisine de Dunwall Tower. Il m'appelait l'apprenti de Sokolov, mais ce sont mes œuvres qui ouvrent la porte du monde des esprits, les miennes. Ils ne comprendront jamais leur erreur, mais je leur murmurerai la vérité à l'oreille juste avant leur exécution. Mes fidèles porteront la lanterne jusqu'à la galerie pour ouvrir le passage vers le grand vide. C'est là que je pourrai utiliser ma peinture pour accomplir le rituel. Mon transfert dans le corps d'Émilie ne doit
pas être perturbé. Le rituel a d'autres applications possibles qu'il faudra que je songe à exploiter plus tard. Je pourrais piéger mes ennemis dans une nature morte, les condamnant à passer le reste de leur existence dans une simple coupe de fruits. Donc Delilah veut utiliser Emily pour devenir impératrice. Non mais tu l'as toujours pas compris ça, Dude. Dude. Tu... C'est un peu toujours les mêmes dessins, mais pourquoi pas. Elle arrive très bien à le reproduire, hein, à la perfection. Hein, mais bon. Du coup, je vois que ça fait 30 minutes, donc je pense qu'on va s'arrêter là. J'aime pas ce passage. Ça fait beaucoup trop d'émotions d'un coup. Une clé, d'accord. Voilà. Sur ce, bon bah, je vous remercie d'avoir quand même regardé cet épisode. Et puis, bah, je vous dis à plus dans le prochain.